Ici, nous avons les manuscrits, les archives, les incunables, les livres imprimés du XVIe, XVIIe siècle, mais aussi tout ce qui est un petit peu sur l'histoire de l'Irak, les églises d'Irak. Jusqu'à 2007, il y avait beaucoup de menaces contre nous, contre les frères et contre notre église. Et donc on a progressivement réussi à amener, emporter tous nos manuscrits et les archives également, tout ce que nous avons de précieux, on les a amenés à Karakoche. Et au mois de juin dernier, le 10 juin, Daesh a ravagé Mossoul, a pris le contrôle et commence à descendre les croix. J'ai commencé à accélérer la numérisation de nos manuscrits avec une équipe de 10 à 12 personnes. On travaille vraiment sans cesse et en accélérant un petit peu le travail pour déjà archiver ce que nous n'avons pas archivé auparavant et mettre dans des cartons et dans des paquets les choses les plus précieuses. Un manuscrit qui n'est pas lu, qui n'est pas su par les chercheurs, c'est un manuscrit mort, c'est un livre mort. C'est une collection très très importante qu'on a réussi vraiment à sauver et à échapper à la main de ces gens qui ont brûlé, qui ont tué un petit peu notre histoire de l'Église d'Orient.